Et demain, que feras-tu? Le temps est la chose la plus précieuse que tu es censé préserver, et je constate que c'est la chose que tu dilapides le plus facilement. Allons-nous persister dans l'insouciance? Allons-nous persister dans l'insouciance? Ne soyez pas du nombre de ceux qui ont oublié Allah Azza wa Jal, et en retour, Allah subhanahu wa ta'ala les oublie. À toi de te demander des comptes à ta propre personne. À toi de faire ton examen de conscience. Pense à tes péchés, pense à tes péchés, pense à tes péchés. J'ai constaté que les péchés tuent les cœurs. Et le fait d'abandonner les péchés, c'est ce qui fait revivre les cœurs. N'est-ce pas par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent? Satan nous fait passer le moindre péché comme étant un acte banal. C'est pas grave ce que tu fais, c'est rien, il y a pire que ça. C'est pas grave ce que tu fais, c'est rien, il y a pire que ça. Observe plutôt la grandeur et la puissance de celui à qui tu as désobéi. Qui sont tes fréquentations? Qui sont tes fréquentations? Qui sont tes fréquentations? Si tu veux relever ce défi, change de fréquentation. Change de fréquentation. وخير لنفسك عصيان.